Salut, c'est Johan Aiguillet, designer graphique et multimédia, et aujourd'hui, cette vidéo sera la suite de la vidéo précédente au sujet des étudiants qui veulent devenir salariés. Alors n'hésite pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si tu as des questions ou si tu as apprécié la vidéo, et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne ou à mon Instagram afin de voir les prochaines vidéos et les différents contenus que je te propose. Alors dans cette vidéo précédente, justement, je t'ai parlé du passage du statut d'étudiant à salarié en t'encourageant notamment à te former en situation réelle pour apprendre beaucoup plus rapidement, pour avoir de l'expérience beaucoup plus rapidement si jamais tu voulais devenir freelance par exemple, si c'était ton souhait. Alors bien entendu, si tu as un métier créatif et que tu n'es pas forcément indépendant, tu peux très bien être salarié et suivre les différentes vidéos que je réalise puisque ça peut très bien être utile pour des graphistes, des web designers ou des motion designers qui sont déjà en agence. Ensuite, si je n'avais pas fait de vidéo pour passer du statut d'étudiant au statut de freelance directement, c'est parce que selon moi, il faut quand même avoir un minimum d'expérience en conditions réelles. Comme je viens de te le dire, te former directement avec des agences qui vont te permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans le vif du sujet plutôt que si tu apprends tout en autodidacte à partir de zéro. C'est tout à fait possible. Tu as pu justement le voir avec mon parcours professionnel que je te laisse en fiche en haut à droite, que j'ai finalement eu pas mal de stages par-ci, par-là, mais finalement, j'ai pas eu par exemple 1, 2, 3 ou 4 ans en agence où j'ai pu me perfectionner au maximum avant de passer en freelance. Finalement, je suis directement passé en freelance après avoir eu quelques expériences et quelques stages. Et puis tout le reste de tout ce que j'ai appris, ça a été en autodidacte. Mais je te conseille fortement d'aller en agence ou en entreprise afin de te former au maximum pour qu'ensuite tu sois vraiment paré une fois que tu as envie de te lancer en freelance. Donc venons-en au vrai sujet de la vidéo, à savoir le passage du statut de salarié à slasher. Alors pour te faire comprendre rapidement ce qu'est un slasher, on va tout simplement prendre en compte la chronologie des vidéos que j'ai réalisées juste avant. Imaginons que tu étais étudiant, que tu as travaillé dans une agence de communication et que tu y travailles pendant 25-35 heures, voilà, tu fais ton job à mi-temps ou à temps plein, mais tu n'as rien d'autre à côté, voilà, tu fais uniquement ce travail-là. Quand tu rentres chez toi, tu peux mettre les pieds sous la table, tu peux jouer à la console, tu peux regarder la télé, ce que tu veux. Eh bien, un slasher, c'est tout simplement une personne qui va bosser à mi-temps ou à temps plein dans un boulot en question, mais qui à côté va avoir une activité de freelance, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une personne qui va se dire, tiens, je vais bosser mes 35 heures, mais j'ai quelques clients par-ci, par-là, et quand je rentre du boulot, à 18-19 heures, quand je rentre chez moi, dans mon appart, dans ma maison ou autre, ou bien le week-end, peut-être que je vais avoir un ou deux clients pour la création d'un logo, la création d'une vidéo, d'un site, l'installation d'un WordPress ou un truc comme ça. Et en fait, ce slasher, c'est une personne qui a du coup un job en tant que salarié et qui en même temps a un statut de micro-entrepreneur par exemple ou qui est à la maison des artistes et qui peut ainsi facturer des clients parce qu'il a un numéro Siret. Et ainsi, grâce à ça, il va pouvoir avoir un double salaire. Le salaire principal de son activité de salarié et un salaire secondaire de son activité de petit freelance, si tu veux, donc en tant que slasher. Alors le mot slasher, c'est assez trash. Il n'y a pas vraiment de traduction vraiment littérale, mais en gros, c'est un fou furieux du travail. Donc c'est une personne qui va travailler à temps plein dans son entreprise et en plus travailler à la maison à la fin de son travail, le week-end ou autre. Et comme j'ai pu te le montrer dans la vidéo pousser à la démission, que je te mets en haut à droite en fiche, et ben justement, il y a énormément de choses qui pourraient te pousser à ne plus être salarié. Entre la pression, le fait que tu n'aimes pas tes collègues, tu n'aimes pas ton travail, tu n'as pas d'épanouissement, tu as un mauvais salaire et ce genre de choses, et ben tu dis que cette personne, elle va accumuler peut-être les points négatifs du salariat et en plus rajouter une activité de freelance. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça un peu les fous furieux du travail, les psychopathes du travail, puisqu'ils se rajoutent encore une couche supplémentaire. Alors après, ce statut est assez répandu dans le domaine de la création, puisque je ne sais même pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui t'empêchent d'avoir un second travail à côté. Je sais qu'en tant que fonctionnaire, tu peux peut-être, enfin ça dépend des cas, hein, mais je sais qu'en tant que fonctionnaire, tu ne peux pas très souvent avoir un second emploi ou un emploi ponctuel, alors que dans la création, si tu es dans une agence ou dans une entreprise, bah, tu peux très souvent être micro-entrepreneur à côté et facturer des clients avec ton propre numéro Siret. Donc clairement, tu peux le faire pour la création de logos, de création graphique, site internet ou autre. Tu peux très bien proposer ce type de prestation à des clients que tu pourrais avoir à côté du travail. Donc un slasher, tout simplement, c'est une personne qui est mi-salarié, mi-freelance. Alors parlons des avantages et des inconvénients à devenir slasher. Alors ce qui est vraiment super intéressant, c'est que derrière tu auras un complément de revenus. Imaginons que tu gagnes 1500 euros net dans ton entreprise, bah tu peux très bien avoir 300-500 euros de chiffre d'affaires en supplément par mois avec ton activité de freelance. Généralement, ça va être
un type de travail qui va être relativement similaire à ton activité principale. Imaginons tu es graphiste, tu crées des chartes graphiques, des logos ou autres, ben, tu vas proposer ce type de prestation à des clients en micro-entreprise. Mais tu peux très bien avoir d'autres types de métiers, par exemple être photographe de mariage à côté alors que tu es graphiste à temps plein dans ton entreprise de salarié. Alors bien entendu, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'un freelance ou un micro-entrepreneur, il doit avoir énormément de clients pour pouvoir avoir suffisamment de chiffre d'affaires tous les mois pour vivre. Alors que la personne qui est slasher, elle, si elle a des contacts de temps en temps par-ci, par-là, bah, elle n'a pas besoin de beaucoup de clients pour avoir suffisamment d'argent en complément de son revenu. Mais après, le fondamental inconvénient selon moi au statut de slasher, c'est que finalement, tu vas travailler à temps plein dans ton entreprise et ce sera des périodes de ton temps où tu ne pourras pas être en contact avec tes clients de ta micro-entreprise. Ça veut dire que, imaginons, tu travailles avec des entreprises qui sont ouvertes de, je sais pas moi, de 9h à 18h, bah, si toi tu bosses de 9h à 18h, toi, tu es en train de travailler en tant que salarié dans ton entreprise, donc tu n'as pas à les contacter, tu n'as pas à être en relation avec eux, que ce soit par mail ou par téléphone. Il ne faut pas que tu puisses conjuguer les deux, puisque tu es payé par ton entreprise pour travailler pour ton entreprise et pas pour tes activités annexes. Donc ça veut dire que si jamais tu veux avoir des clients à côté, des clients en tant que freelance ou micro-entrepreneur, il va falloir que tu puisses les contacter hors de tes horaires de travail. Donc peut-être que ça ne sera pas évident ou efficace pour tes clients en question, puisque imaginons tu as des deadlines serrées, il faut que tu sois en communication constante avec eux, ben, ça va être un peu plus compliqué pour finaliser des projets peut-être un peu plus conséquents. Donc pour moi, c'est selon moi l'inconvénient fondamental en fait dans ce type de statut. Mais bon, après qu'on se le dise, à part si tu as des projets qui nécessitent vraiment une deadline vraiment précise, cela ne pose vraiment pas trop de problèmes. Il suffit juste d'avoir des envois de mails réguliers. Imaginons tous les soirs ou le week-end, tu fais en sorte d'envoyer des mails avec tes clients en question. Et si tes clients arrivent à te répondre ou à te faire des renvois pour le jour d'après, s'ils n'ont pas de contraintes de deadline, tu pourras très bien leur proposer tes prestations avec un léger décalé. Voilà, tout simplement. Donc venons-en à la troisième et dernière partie de cette vidéo, à savoir quels peuvent être les intérêts de devenir un slasher. Personnellement, j'en vois deux. Tout d'abord, le premier dont j'ai parlé plusieurs fois dans la vidéo, le fait d'avoir un complément de revenu, puisque ce qui est très intéressant, c'est que le statut de salarié, tu as la possibilité d'avoir une mutuelle, un emploi stable, tout ça. Donc en fait, ça va te permettre de garder tous les avantages du salariat et d'avoir en plus un complément de revenu qui va te permettre d'avoir une vie beaucoup plus aisée que si tu avais uniquement un statut de salarié. Mais derrière, en contrepartie, tu vas avoir plus de charges de travail à la maison et forcément, ben, ton travail va empiéter sur ta vie personnelle. Donc là, il faudra justement faire attention pour avoir un bon équilibre entre les deux et que l'un ne bousille pas l'autre. Voilà, ça déjà pour moi, c'est le premier point. Après, je n'ai personnellement jamais été slasher, mais je trouve ce statut plutôt intéressant puisque derrière, tu peux avoir un complément de revenu en ayant quelques clients par-ci, par-là. Après, ce qu'il faudra vraiment que tu fasses attention, c'est de vraiment faire la différence entre l'activité professionnelle salariée, l'activité personnelle et ton activité professionnelle en tant que freelance. C'est-à-dire que je ne vois pas forcément d'un bon œil le fait de pouvoir répondre à tes clients en micro-entreprise pendant que tu es au travail en tant que salarié, c'est-à-dire ne pas répondre au téléphone ou ne pas envoyer des mails alors que tu es dans ton activité principale. Et forcément, le deuxième objectif, tu l'auras forcément vu venir, c'est le fait que en tant que slasher, ça pourrait être un bon tremplin pour devenir freelance à temps complet. Je vais te donner un exemple concret afin que tu puisses comprendre rapidement en quoi être slasher, ça peut être un tremplin pour devenir freelance à temps complet. Lors de mon premier stage en entreprise, comme je te l'ai dit dans une de mes vidéos, je travaillais avec deux graphistes expérimentés. L'un d'eux était photographe amateur et justement, le week-end, il réalisait assez régulièrement des photographies de mariage pour des clients. Et en fait, au fur et à mesure du temps, notamment lorsque j'étais en stage à ce moment-là, il me disait comme quoi il commençait à avoir de plus en plus de clients. Et en fait, j'ai appris que quelques années plus tard, donc dédicace à toi Cyril, quelques années plus tard, eh bien, il a tout simplement arrêté son job de salarié en tant que graphiste dans cette agence de communication et est devenu freelance à temps complet en tant que photographe de mariage. Donc tu peux voir clairement avec cet exemple qu'en tant que salarié dans une entreprise, tu peux très bien être slasher
Et puis au fur et à mesure du temps, si tu as suffisamment de clients, bah, tu auras l'opportunité de travailler à temps complet pour ta passion ou pour ce type de travail en étant indépendant. Après, cette reconversion peut se faire de diverses manières, à savoir, avec cet exemple-ci, tu peux être salarié graphiste et te transformer en freelance dans un autre domaine, à savoir photographe. Tu peux très bien être salarié graphiste et devenir freelance graphiste. Ou bien, tu peux tout simplement être salarié dans un domaine, par exemple le graphisme également, et puis te déplacer vers une autre entreprise ou une autre agence où tu vas avoir exactement le même poste, mais où tu auras des critères qui seront plus intéressants pour toi. Par exemple, la vision de l'entreprise vers laquelle tu vas aller t'intéresse plus, le travail sera plus intéressant, tu auras une meilleure rémunération, des meilleurs horaires de travail. Tout simplement, tout ce que je t'ai listé dans la vidéo « Passage à la démission », bah peut-être que l'entreprise actuelle t'avait poussé à la démission à cause de tel ou tel critère. Ces critères-là ont été améliorés vers l'agence à laquelle tu te déplaces, tout simplement. Donc forcément, si aujourd'hui tu es slasher et que tu as regardé cette vidéo, tu peux très bien regarder l'ensemble de mes autres vidéos puisque je parle de manière générale de l'ensemble du métier de créatif, d'indépendant créatif, que ce soit en graphisme, en web design ou en motion design. Après, ce que je n'avais pas précisé, mais ce qui est tout à fait logique, c'est que quand je parle de slasher, c'était uniquement slasher en tant que salarié. Mais tu peux très bien être slasher en tant qu'étudiant. C'est-à-dire que pendant tes études, imaginons que tu es en train de réaliser un BTS, tu es à l'université, tu es en licence, tu es bac plus 2, 3, 4, 5, tu peux très bien avoir des clients à côté et avoir des expériences professionnelles supplémentaires et avoir un complément de revenu en ayant ton numéro Siret et en facturant des clients alors que tu n'as pas encore ton diplôme final. Et puis en tant qu'étudiant, n'oublie surtout pas, si demain tu finis tes études, tu obtiens ton diplôme et que tu veux rechercher un emploi, n'oublie pas que si la même entreprise a une candidature avec un étudiant standard qui n'a rien fait, qui était juste à l'école, un étudiant qui a fait des stages et un étudiant qui a fait des stages plus du freelancing à côté, bah forcément, si tu fais partie de cette dernière catégorie, tu auras nettement plus de chances d'être pris par l'entreprise en question si tu as plus de compétences, d'expérience et de talent à leur proposer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu en parlant de salariat, de slasher et d'étudiants. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à mettre un commentaire si tu as des questions, à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et voir celles que j'ai déjà réalisées. Et puis, comme d'habitude, je suis très actif sur Instagram où tu peux me suivre. J'ai un groupe privé où tu peux justement accéder pour avoir des entraides en tant que freelance et également une page à ce sujet. Puis moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance. Allez, ciao !